Eh ben bonjour Florence. Bonjour. Alors au nom de toute l'équipe de Marieton, bravo pour votre permis. Merci. Et je voulais savoir le nombre de points que vous avez obtenus. 26,5. 26,5. C'est votre température? Ah non. Je plaisante. Alors l'idée de cette rencontre ce soir, déjà au-delà de vous féliciter de votre réussite, pardon, je bafouille, j'aurais voulu savoir comment s'est passée votre formation. Est-ce que tout simplement... Le stage, super bien, parce que ça vous met en condition, en fait. Vous n'avez pas les autres voitures sur la vraie route et tout ça. D'accord. Donc oui, ça nous apprend quand même beaucoup de choses. Ça nous met en situation, on est quand même à l'aise. Il y a tout un groupe qui est avec... On est plusieurs, donc du coup, on apprend en s'amusant aussi un petit peu. Du coup, c'est assez fun comme chose, mais voilà. Bon, ça aide beaucoup. Okay. Et puis ensuite, après ce stage, donc vous êtes revenu nous voir à mon plaisir, c'est ouais. Ça? Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben après, donc j'ai commencé à faire mes cours de conduite en circulation. Mmh. Et voilà, donc c'était pas simple au début parce que j'étais un peu hermétique à tout ce qui était avoir un prof sur le dos qui me dise ce qu'il faut que je fasse, mmh. etc. Donc voilà, il y a eu des moments où c'était un petit peu dur quand même, où j'étais un petit peu bousculée. Et puis au final, ça m'a quand même bien aidé, ça m'a remis un peu dans mes retranchements et ça m'a permis d'aller plus loin en fait et de continuer. Et du coup, et de réussir surtout, ouais, chose que, enfin voilà, je pensais pas avoir mon permis un jour. Maintenant. Mais bien sûr que si. On est là pour vous aider et on a réussi. Mais je pense que c'est un travail d'équipe. Hein. C'est oui, pas, tout à fait. Ah, tout c'est à fait. Pas que les formateurs, tout c'est à fait. Non, aussi l'élève qui est avec nous. Oui, c'est oui, un travail, c'est vraiment un travail d'équipe. De toute une équipe et ça, et c'est important de le souligner. J'ai pu prendre des heures aussi au fur et à mesure. Quand je voulais en prendre, on s'organisait, mais j'en prenais régulièrement, ce qui fait que c'est... du coup, j'ai pu continuer. Je n'étais pas sans heures et ça m'a aidé aussi beaucoup, ça. Bon, voilà. Ok. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Et puis, n'hésitez pas. Et encore bravo pour votre réussite, bien sûr. Et retrouvez-nous bientôt sur marieton.com. Merci.